Les personnes qui sont arrivées, je ne sais pas qui. Je viens de le voir à l'instant. J'espère que vous allez bien. Je suis en avance. Mais au moins, j'étais sûre que si ça merdouillait, eh ben, j'avais le temps de démerdouiller. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Bon, déjà, ça commence. J'espère que vous me voyez. Je ne sais pas ce qu'ils veulent là. Faites-moi des petits coucous si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Vous faites des petits pouces. Voilà, je vois les commentaires sur mon portable. Ah bah, j'ai pas vu encore. Alors attendez, je vois. Coucou Myriam, coucou Annie. Coucou Valérie. Eh ben tu vois, je ne pensais pas que tu t'aurais suivi, ma bichette. Coucou Steph. Oui, son image nickel. Ok. Bon, j'ai des pouces. Coucou Marina. Alors, je suis obligée de regarder sur mon portable. Je ne vois pas les commentaires là-dessus. Alors attends. Ben, si, je vois les commentaires. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça y est. C'est bon. Il fallait que je descende. Hein? Bon, alors. Bon, vous allez bien? Le moral est bon? J'espère. Coucou Aurélie. Coucou Corinne. Coucou Estelle. Le moral est-il bon? Faites-moi des pouces s'il est bon. Ah, cool. Tout passe. Ah oui, tout passe bien. Mais est-ce que tout se passe bien chez vous, surtout? C'est important. Yes. Coucou Audrey. Normalement, on devrait être pas loin de 70 ce soir, mais j'y crois pas. Coucou Nathalie, coucou Corinne. Ouais, il y a des pouces. Et des petits cœurs, moi j'aime bien les petits cœurs. Coucou Valérie. Alors. Bon, impeccable, c'est génial. C'est génial. Coucou Françoise. Faudra que je te cause, François. Par rapport à la couverture du bouquin. Il faut que tu l'écrives comme quoi tu es vraiment d'accord et tout ça. Faut un écrit de ta part. Voilà. Bon, moi, les petits cœurs, j'adore les petits cœurs. Que c'est bon, que ça fait du bien. C'est cool. Ah, ça peut aller. Alors déjà, Estelle, ma chérie, le ça peut aller, pouf, tu te fous des vibrations négatives. T'as vu, j'ai donné des conseils ce soir. Pour la douche, le petit repos, et puis s'enlever toutes les miasmes toxiques qu'il peut y avoir. Coucou Julie. Julie de pas loin de la Suisse. C'est important d'avoir des pensées positives au niveau des vibrations, parce que si vous avez des pensées plutôt négatives, donc vibrations basses, donc automatiquement vous allez tout vous choper. D'accord? Donc faire attention à ça. C'est important. Très très important. Coucou GG. Ouais, faut rester positive. Bon, super. Coucou Séverine. Coucou Val. Il faut rester positif dans le sens où, de toute façon, si on vit des expériences, c'est qu'on les a choisies et qu'on est capable de les suivre et de les vivre, en fin de compte. Donc, je dis bien, on est acteur de notre vie, on n'est pas des victimes. Alors, après, vous allez me dire, oui, il y a expérience, expérience, c'est vrai. Il y a des expériences qui sont plus douloureuses que d'autres, mais quelquefois, ça peut être un mal pour un bien. D'accord? C'est ta première, Corinne. D'accord. Première fois que tu assistes à un live, c'est ça? Coucou Régine, ça faisait un bail ma Régine, dis donc. On est malade avec ma fille. Bon, bah tu vois, tu te restes au chaud, tu te mets sous les couvertures. Voilà, et puis après ça va partir. Malade, c'est pas grand-chose. D'accord? Faut toujours penser qu'il y a du pire que soi. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Coucou Valérie. Val, je t'ai vu. Il y a de la Valérie ce soir, hein? Coucou Mystique, coucou Brigitte, pas Brigitte aussi, ça faisait longtemps. Mais il y a eu les vacances, c'est pour ça aussi. Hein. On va reprendre des bonnes habitudes là, hein, des petits lives régulièrement. Oui, t'es d'accord, Aurélie. Bah bien sûr, hein. T'es bien placée pour le savoir. Donc Corinne, c'est ta première, toi. Ton premier direct. Hein. Oui, elles sont bonnes à vivre, bien sûr, même si ça fait mal, elles sont bonnes à vivre. Coco Mystique.
Ah, toi aussi? Ah, bah oui, d'accord. Alors, je précise, coucou Steph, je précise une question simple et précise. Voilà. Les Valérie en force, oui, tout à fait. Et pour un contact défunt, il me faut sa date de naissance et sa date de renaissance. D'accord? Pour voir si le défunt est bien monté ou pas. Déjà dans un premier temps, puis après en connectant dessus. Et son prénom, bien sûr. Ah, mauvaise connexion? Ah, c'est chez toi alors, non? J'ai pas. Non, mais il n'y avait pas besoin. Alors, je change vos habitudes, hein, et je sors de ma zone de confort. Parce que jusqu'à présent, effectivement, il fallait m'envoyer en amont les photos des défunts et la question. Et donc, je travaillais dessus avant de vous avoir et de vous donner les infos. Or, mon planning ne me permet pas, mon agenda ne me permet pas, je ne me plains pas, d'accord? Et puis, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, de le faire en direct, comme quand je vais au salon avec Céline, ben, je le fais en direct, il n'y a aucune préparation. Donc là, je sors de ma zone de confort et je fais exprès. Voilà. Et pour votre petite info, le 14 mai prochain, je vais sur Bordeaux, le salon que Laurence organise. Et donc là, bah, ça sera du direct. Hein. Donc, enfin, ça coupe. Alors chez moi, j'ai pas l'impression que ça coupe. En tout cas, je vois pas. Là, je vois pas que ça coupe. C'est peut-être chez vous, non? Je suis désolée, ça coupe. Coucou ma Céline. Donc là, je suis obligée de faire du direct et du court en direct parce que bah, faudra passer les consultants les uns après les autres. Enfin, j'espère d'ailleurs. Coucou Marjo, comment va le bidou? Coucou Véro, bah, tu vois, t'es là ma chérie, Véro. Tu m'as dit que tu serais pas là. T'étais chez ta fille. Alors. T'en prie Audrey. Je ne sais même pas quelle info d'ailleurs je t'ai donnée tout à l'heure. Mais il faut qu'on mais toutes et tous, il faut qu'on sorte de sa zone de confort. Alors ça fait peur parce que l'inconnu fait peur, le changement fait peur, mais c'est justement là, tant qu'on reste sur les berges, on n'a rien à craindre si ce n'est de stagner. D'accord? Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est de voir est-ce que je suis capable de sortir de ma zone de confort et si ça marche, yes, on a gagné. Et on continue, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Coucou ma Karine. Coucou Olivia. Ah ben, t'es pas très très loin, hein Olivia. Bon, t'as vu ton homme? Ça va bouger, hein. Plus de bidou. Ah, il est parti faire dodo le bidou, Marjo. Ah, cool. Ah! Ok. Alors, 20h57, j'attends 3 minutes et j'attaque. Ah, alors Annie, déjà, tu connais. J'ai pas de voilà. Je papote, je papote, je papote. Alors, Annie. Donc, c'est un contact défunt. Mamie Renée. Tac. Alors. Tu vois, ça va vite, hein. 15 novembre, 14. Non, il faut que tu sois plus précise, ma bichette. Pour sa date de décès. Octobre, c'est pas assez précis. 94. Faut que tu me donnes la date exacte pour que je sache. Alors, il me faut la date de naissance. C'est enfin après c'est pour vous donner d'autres infos donc alors 16 mai 25. 27 août 2009. Yves. Ok. Donc ça, c'est Marina. Ça va vite, hein. Alors, une précision aussi, si toutefois je passe à côté, allez-y pour me reposer les questions, hein. D'accord? Myriam. 4-3-43. Ah, tu vois, ça va vachement vite, hein. C'est fou, ça. 44, 44, il me faudrait deux mains, il me faudrait une secrétaire en fin de compte. Alors il y a beaucoup de contacts défunts a priori, hein. Ça tombe bien parce que si j'ai ressenti ça, qu'il allait y avoir du monde. 19-12-2004, 12-2004,
Ton papa, le prénom de ton papa, Myriam. 4. Alors, GG. 30 novembre 66. 7 mai 20. Jérôme. C'est Jérôme qui est décédé, Géraldine? Alors, Olivia. Alors, Denis. 18, 10, 76. Alors, j'ai marqué 16 décembre 21. Parce que c'est le 16 décembre qui arrive. Alors, pour l'instant, c'est que des contacts défunts. Alors, Régine. André. 2 mai 40. 14 juin 2020. Je note pour l'instant, hein, d'accord? Estelle. Georges. 2 juillet 1942. Renaissance. 26 janvier 2022. Il y a du Covid là-dedans. 21 octobre 94. Je préfère Annie. Comme à ma nounouche, enfin c'était 21 octobre, mais 94. Ok. C'est plus joli hein, de dire renaissance, hein, parce qu'en plus c'est une renaissance. Hein. Alors, Sève Mouillé. Donc on a dit que c'était David. Prénom jeune, ça. 23 novembre. Ah oui, 75. Renaissance, 21 mai. 98. Ah bah oui, en effet. Marjo. Ah bah oui, papy, papa. Marjo. Alors, pour l'instant, je note, puis après, je me connecte, et puis je vous donne les réponses. D'accord? Alors, Marjo, Daniel. 5 mars 1946. Ah, 12 mars 21. Au fait, Céline, tu me diras pour Tina? Alors. Alors attends, mince, je t'ai perdu Céline. Alors Valérie, Tiffaine, 98, 88, ça va vachement vite. Alors, Tiffaine, ben, je te vois plus. Tu vois, on ne peut pas remonter plus loin. Bon, alors, je verrai. Tiffaine, tu me rediras. Audrey, Daniel, 31 août, 48. Renaissance de 22 août. Ah bah dis donc, c'était écrit, hein. C'est fou ça. Mystique. Tata Ghislaine. Ah bah Mystique, ça peut être... Bah, on ne saura pas si elle est partie correctement. Enfin pas correctement, mais où elle est partie au départ. On verra. Aurélie, papa. Papa, papa, Serge, voilà. 23. Novembre 52, 14 mai 22. Ok. Myriam, tu m'as dit que c'était le prénom. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Mais c'est pas. Alors pour l'instant, j'arrête de noter, d'accord? Mystique, tata. Mais alors, comme je vous ai dit, pour l'instant, j'en ai 12, d'accord? Tata Ghislaine. On verra après. Mais il ne faudra pas hésiter, d'accord? Mais j'essaierai de toute façon de faire passer tout le monde. Allez. Donc, 5, 6. Donc, elle est partie en 94. Alors. Allez, 5, 6. 6 et 2, 8. Attends. 94, 1, 9, 10, 19 et 4, 23, elle est en 5, 6 et 2, 8, 8 et 5, 13. D'accord. Donc, Mamie Renée. Donc, tu es en 5. Je commence par toi, allez. Alors, elle me montre, Annie, qu'elle est en train de passer un palier.
comme si elle changeait des tâches, elle se montre à moi, elle appuie sur un bouton, puis elle monte. Alors, je vais baisser. Donc la question c'est si tu avais un message. Alors je verrai s'il y a des messages ou pas. Hein. Elle fait coucou, mamie Renée. Elle me dit de te dire continue, continue à faire ce que tu fais. Alors est-ce que tu as changé ta façon de vivre ou tu as changé d'activité ou quelque chose comme ça? Mais voilà, elle me dit de te dire continue. C'est bien, puis elle te pousse. Ah ok. Alors elle te pousse aussi et elle me montre que tu vois ce que tu es en train de faire là, Annie. Bah, c'est comme si toi aussi tu allais appuyer sur un bouton et que tu allais passer un cap. D'accord? Donc change, continue parce que ça va changer. Il va y avoir quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, Marina. Alors. Ouf. J'ai de la souffrance sur ce monsieur. Alors, il est parti d'une maladie où il y a eu quelque chose qui lui a fait très très mal à ce monsieur-là. Oui, un petit truc, vous me donnerez aussi des infos, d'accord, des réponses par rapport à ce que je vous ai dit, d'accord? Bon, c'est pas ça qui va me permettre de ne pas de me canaliser, mais j'aimerais bien avoir les retours aussi. J'ai eu de la souffrance sur Yves, mais après j'ai eu de la délivrance. Bon, après, il ne faut pas sortir de l'école de Saint-Cyr hein, pour savoir tout ça. On sait bien là-haut ils sont délivrés. Mais j'ai vraiment eu de la. J'ai comme un tube. On me montre comme s'il avait eu un truc gastrique. Alors, est-ce que tu as un message pour ta fille? Marina. Il me parle de dessin, Marina. Est-ce que tu t'es lancée à du dessin ou tu as envie de dessiner? Il me parle de dessin ou lui dessinait. Je ne sais pas. Dis-moi. Faut que je vois vos réponses parce que sinon ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai? Attends. Je regarderai, vous inquiétez pas après les messages. Hein. D'accord? Coucou ma Véro. Oui. Alors. Coucou Fantas. Magorique. Est-ce que Marina, tu peux me répondre? Et Annie, t'entends? Oui, voilà. Ouais, pousse le bouchon. Le bouchon. Le bouton, mais non, pas le pousser, c'est appuyer pour monter d'un cran comme elle. Elle a pris, elle est montée d'une strate, en fin de compte. D'accord? Alors. Coucou Amélie, je t'ai pas vue. Bisous, bisous. Coucou Michel, je t'ai pas vue non plus. Alors. Je sais pas si vous me voyez. Est-ce que c'est bloqué ou pas? J'ai l'impression qu'il y a du blocage, non? Non. Vous m'entendez? Coucou Nat. Faites-moi des pouces. Coucou Delph. Faites-moi des pouces. Si vous m'entendez bien. Alors. Dida, dida. Ouais, j'ai l'impression que je suis bloquée. Alors, Marina, je t'ai vu passer. D'accord, bah tu t'appelles Marina là-dessus. Alors c'est quoi le tube que j'ai qu'il avait dedans? C'est quoi? C'est son vélo qui a fait ça? Il me parle de dessin, ton papa. Donc il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Ou lui dessinait, je ne sais pas. Il me parle de dessin. Il me montre un tube. Alors je ne sais pas ce que c'est. Alors, Myriam. Donc 6, 1, 10, 11, 12, 13, 13, 16, 19. Oh non. Alors, Myriam, j'ai pas écrit si ton papa ou pas. Il est parti direct, hein. Enfin, mis à part ce qu'il aurait pu avoir avant, il est parti direct et tout de suite, comment dirais-je? Il a foncé, il est parti.
D'accord. Alors, il va falloir qu'on comprenne, Marina. Non, c'est pas Marina. Comment tu t'appelles, Brigitte? Non, je sais plus. Bah, tu prends Marina. Alors, je vais t'appeler Marina pour ce soir. Pas de thune ni de dessin. Donc, il y a un. Tu mets ça de côté parce qu'il a insisté sur le dessin et il m'a montré un tube. Alors, elle, le tube. Ah, bah non, c'est peut-être le tunnel. Il m'a montré un tube qu'il avait en lui. Donc, ça veut dire, si c'est le tunnel, qu'il est parti très vite malgré tout. C'est peut-être ça. Peut-être. As-tu des enfants, Marina? Ouais, ça a dû bugger. Mais là, je suis revenue. D'accord? Alors. Alors, attends, j'étais sur Myriam. Myriam, est-ce que tu es là? J'ai pas noté le prénom de ton papa. Myriam, tu peux me redonner le nom si c'était ton papa? C'est pas pratique les trucs. Coucou Christophe. Est-ce que Myriam est là? Coucou Pascal. Coucou Marie-Christine. Alors Brigitte, excuse-moi Marina. Est-ce que tu as des enfants? En tout cas, alors le tube, c'est peut-être le tunnel que ton papa a vu. D'accord? Il n'a rien précisé d'autre. On verra s'il me redonne d'autres infos. D'accord? Alors. Marina, Myriam, est-ce que tu peux me redonner le prénom? Alors si, Brigitte, ton papa me dit qu'il montait très très vite. Et en fin de compte, c'est comme si il était descendu du vélo et hop, son âme allait partir. Alors qu'il aurait pu se dire, comme c'était brusque, qu'est-ce que je fais là? Et non, il est parti tout de suite. Il insiste sur du dessin. Alors je ne sais pas. Gérard, merci. Myriam, Gérard. Gérard! Gérard. Alors j'entends, ça peut paraître tôt pour toi, mais pour moi, il était temps que j'y aille. C'est bizarre parce qu'il montre vraiment beaucoup de peine. Alors, qu'est-ce qu'il a eu ce monsieur-là? Ça coupe, hein? Je suis désolée. Il me montre beaucoup de peine, ton papa. Vous m'entendez? Ah! Est-ce que vous me voyez bien? Parce que moi, je me vois, je ne suis pas coupée, mais là, je sur Facebook, là, enfin, sur mon téléphone, je suis coupée. Alors. D'accord. Brigitte, est-ce que ta fille a fait un dessin à son papy? Ou est-ce qu'elle l'a dessiné après? 5 sur 5. Cool. Ok. Alors, Myriam, ton papa, il était temps qu'il parte, me dit-il. Est-ce qu'il était... Alors, ok, vous m'entendez, vous me voyez, super. Alors... Papa, il me dit, j'ai fait mon chemin. Il fallait que ça s'arrête. Donc, est-ce qu'il a été malade et qu'il fallait vraiment que ça s'arrête? Parce que j'ai beaucoup de fatigue aussi et il fallait qu'il parte. D'accord? Alors, il me dit de te dire, Myriam, fais attention autour de toi. Il y a de la mesquinerie. D'accord, Brigitte. Et donc, en tant qu'écrivain, elle fait des dessins, peut-être. Plus le goût. Donc, c'est ça. Fallait que ça s'arrête. D'accord? Il me dit de te dire, Myriam, fais attention autour de toi. Il y a des mesquineries. D'accord? Et en général, quand on a un AVC, il vaut mieux qu'on parte que de rester handicapé. Donc, fais attention autour de toi. Mais lui, il y va, hein? Alors. Qu'est-ce qu'il montre là? Pas pourquoi j'ai l'impression qu'il court. Alors il me dit, quel soulagement, je suis rentrée chez moi. C'est beau. Alors, Gérard.
Ouais, fais attention à toi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne donne pas ta confiance à tout le monde. D'accord? Ok, Myriam? Ouais, donc en fin de compte, c'est que des contacts défunts ce soir, hein? C'est ça? C'est ça que vous vouliez? Des contacts défunts? Fallait le dire, hein? Alors, GG. Donc GG comme Jérôme. C'est ça, hein? Il est parti jeune, hein, dis donc. 20, 4, 10, 5, 7. Alors. Alors, GG, j'entends. Et t'as pas vu les lumières? GG, t'as pas vu les lumières? Enfin, les ampoules. Alors, un truc aussi, quand vous voulez un signe de vos défunts, précisez ce que vous voulez comme signe. Pas simplement envoie-moi des signes, parce qu'ils vous en envoient des signes, d'accord? Mais vous ne les voyez pas spécialement. Il me parle de lumière, Jérôme. Donc, quand vous voulez un signe, dites, bah, envoie-moi un signe à travers, par exemple, un nuage, ou une plaque d'immatriculation, ou une cube, ou une chanson, d'accord? Pour que ça soit un peu plus précis, d'accord? Alors. Ah ben oui, quand on est là-haut, on sait tout, hein. C'est génial. Hein. D'accord? Jérôme. Il me parle d'ampoule, Jérôme. Alors, il me dit de te dire aussi, Gégé, fais attention à tes pieds. Fais attention à tes pieds. T'as des soucis avec tes pieds? Marjo, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien sûr que tu les vois, mais tu fais pas attention. Jérôme, alors c'est qui le défunt? GG. Tu m'as donné une date de naissance et une date de fin. Ah, tu es une tricheuse. Alors déjà, d'emblée, boum, c'est ta première et tu triches. J'ai dit une question. D'accord? Fais attention à tes pieds. Géraldine. Et tu n'as pas vu les ampoules. C'est Dominique qui me parle. D'accord. Alors les ampoules, est-ce que tu as les ampoules qui ont pété ou tu as les ampoules aux pieds? Parce qu'après on parle de tes pieds, peut-être. Peut-être que tes chaussures sont plus tellement bonnes et il faut que tu les changes. Alors. Donc. Il est parti brusquement, Dominique? Non, mais c'était pas pour toi, Brigitte. Là, je suis sûre, Géraldine. Coucou, Bérénice. D'accord. Est-ce qu'il est parti brusquement, ce Dominique? Parce que j'ai un truc qui est net. Très net. Alors. Donc, c'est Dominique. C'est pour ça que je n'avais pas compris, Géraldine, ce que tu m'avais parlé de Jérôme l'autre fois. Et j'y tiens, en fin de compte, si, c'est un défunt. Mais non. Alors. C'est 5-15. Alors, Olivia, Denis. Oh, c'est fort, ça. J'entends, j'avais du pain sur la planche pour la famille. Comme si quand il était sur Terre, il ne pouvait pas faire autant qu'il aurait voulu, pour X raisons. Et quand il est remonté, tout de suite, il s'est mis à... Il doit être ton guide familier. Ou un guide familier autour de toi. Il me dit la... Ah, d'accord. Olivia, la famille, c'est sacré. D'accord? C'est sacré. Ouais, mais non, Géraldine, c'est une question. D'accord? Alors, tu peux me dire pour Denis, Olivia?
Alors, me dites pas que je me suis trompée. Olivia, c'est pas Denis? À vouloir aller trop vite, ça va pas. Ça, c'est Audrey. Pourquoi ça, c'est Audrey? Attendez. Olivia, Audrey. Olivia, tu m'as donné des dates ou j'ai noté des dates. 18, 10, 76, 17, 16, 12, 2021. C'est pas Denis? La madame, elle demande, elle a peut-être pas tout compris. Olivia Ambrosi. Alors. Audrey. Donc c'est la personne qui est partie, Audrey? Ça aurait été bien qu'on fasse du. Un corbeau, Brigitte, pas un cerveau. Denis, c'est son nom. Audrey Denis, elle s'appelle? D'accord. Ok. Audrey. Alors, donc j'ai entendu, je suis remontée pour la famille. Pourquoi? Comme si elle ne pouvait pas faire ce qu'elle devait faire là. Parce qu'elle était jeune en plus, hein, dis donc. 2021. 6, 5, 11, 7, 8. J'entends que de là-haut, je peux faire mieux qu'en bas. Mais c'est ta maman, Audrey? Olivia? Parce qu'elle est vachement proche de toi. Alors c'est qui? C'est ta maman? Que j'entends, j'ai vraiment de la fibre. Maintenant, pourtant. Ou c'est quelqu'un de très très proche de toi qui était parti? Un an avant. Ouais, mais c'est par rapport aux enfants, enfin par rapport à sa famille en bas, qui est restée en bas, qu'elle est montée. Il y a vraiment quelque chose où elle devait finaliser ça de là-haut pour sa famille. Il y a quelque chose par rapport à ça. Elle me dit de te dire aussi qu'il faut que tu t'harnaches de patience. Alors cette amie, elle avait des enfants. Donc c'est ça, mais parce qu'elle se montre vraiment très très proche de toi. Donc c'était une amie comme une sœur. J'ai vraiment le cordon, tu vois, comme le cordon d'argent entre vous. Ouais, mais elle peut s'en occuper de son fils, tu vois, de là. C'est pas un souci. Alors, elle me dit que pour toi, il va falloir que tu t'armes de patience. Et elle me dit te dire qu'il faut que tu plantes. Il faut que tu plantes, il faut que tu plantes. Tu vois? Puis elle me montre les petites graines comme ça. Elle s'occupe de sa famille. D'accord. Elle s'occupe vraiment de sa famille, de là où elle est. Elle n'est pas sur la même strate que. C'est bizarre parce que tu vois, c'est comme si elle était partie beaucoup plus haut que son papa. Parce qu'elle n'est pas sur la même strate que son papa. Je vois un écart entre. Alors ils peuvent se voir, hein, il n'y a pas de souci, mais je vois un écart entre eux. Comme si elle était à une fenêtre là et lui était à une fenêtre là, quoi. Mais elle vous protège, hein, même toi, même si tu n'étais pas de sa famille vraiment, elle vous protège. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'être vraiment proche pour protéger non plus, quoi. Elle me montre un toboggan. Pourquoi? D'accord, ok. Alors, la façon dont elle est partie, enfin, quand elle est arrivée là-haut, c'est. Alors là, c'est pas un tunnel, c'est pas un tube comme pour Brigitte, son papa. Là, Audrey, elle me montre, c'est hop, c'est comme si elle était sur un tunnel, tu sais, et hop, elle est partie, en haut comme ça. Alors, t'avais-elle dit qu'elle allait partir de toute façon, comme si elle le connaît, comme si elle le sentait, parce qu'elle me dit j'étais prête. Alors. Régine, André. Bah pareil, André, hein.
Alors voilà, elle me fait faire ça, André. Elle avait quel âge, petite mère? Ben oui, voilà. Elle me montre qu'elle passait ses journées à faire ça. Elle était dans ses pensées. Qu'est-ce que vous me dites, André? D'accord. Alors, j'entends, c'est comme si je redevenais un enfant et que je me berçais pour passer mes journées. Et mes journées étaient longues. Pourquoi elle se monte toute seule? Elle était encore dans sa maison? Bah, tu vois, très vite d'un cancer, hop, le toboggan, tchoups, tu vois? Régine de Lamar, par rapport à André, elle était toute seule chez elle? Tu me diras? Alors, il faut que je note parce qu'après je vais oublier. Comme ça passe par là. En tout cas, elle se monte et puis elle se balance comme ça. Alors, Estelle, Georges. Alors, dis donc, c'est jeune encore tout ça, hein. J'ai le cœur pour Georges Estelle. J'ai le cœur, on me montre le cœur. Enfin, il me montre le cœur. On me montre le cœur. Pas spécialement lui. Alors, est-ce qu'Estelle est là? Ouais, oui, c'est ça? Les poumons, enfin le cœur. Enfin là, il m'a montré là. D'accord? Est-ce que c'est ça, Estelle? Bah tant mieux, Olivia. D'accord? Mais elle gère sa famille de là-haut. Nickel. Il va falloir que tu t'armes de patience, Olivia. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par rapport à ça. Est-ce qu'Estelle, tu peux me répondre? D'accord, problème cardiaque. Ok. Mais ça a été favorisé par quelque chose. Parce que tac tac, j'ai un cran supplémentaire, comme s'il avait chopé la crève. Ah ben voilà, d'accord, ok. Alors, donc, il y a quelque chose qui a fait que il est comme s'il n'était pas parti du cancer, mais il y a quelque chose qu'il a. Soit il a chopé une embolie pulmonaire ou quelque chose comme ça. Bah attends, Marina, enfin Brigitte, hein. Pour l'instant, non, j'ai eu que ça pour l'instant. Après, c'est la première fois que tu rentres en contact avec lui. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Faut être patient. Ok? Après, si ça me revient, tu t'inquiètes pas, je te le donnerai, Brigitte. Mais ta fille, elle doit faire des dessins, parce qu'il a insisté sur le dessin. Alors, Estelle, c'est comme si ton Georges avait chopé quelque chose qui avait accéléré son départ. Style un rhume ou un truc comme ça, tu vois? C'est pas du cancer des poumons, même s'il l'avait, qu'il est parti. J'ai comme si un microbe qui est arrivé. Alors. Bon, je verrai si tu me réponds. Ça, c'est embêtant parce que j'ai pas les réponses tout de suite. Mais écoute, Georges, on verra après. Georges, virus. Mais il ne me parle pas de Covid, hein. C'est comme s'il avait chopé un rhume ou la crève. D'accord, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui l'a fait partir. Mais bon, bah valait mieux, hein. D'accord? Parce que de toute façon, tu pouvais rien y faire, hein. Enfin, les toubibs. Alors, Georges. Alors, il me parle d'échelle, ton Georges. Échelle. Je monte doucement mais sûrement. Alors, est-ce qu'il avait un problème avec... d'accord, il est enrhumé. Est-ce qu'il avait un problème avec une jambe ou ses hanches? Parce qu'il me montre une échelle et c'est comme s'il montait une marche par une marche. C'est ce qu'il me montre. En plus de sa maladie, bien sûr. Hein.
D'accord. Alors, par rapport à André, pourquoi elle se balance comme ça? Elle se sentait seule, c'était seule dans sa tête. Qu'elle était alors? Qu'elle se montre comme ça. Pas de problème de hanche, ni de jambes, parce qu'il monte, il me parle. Alors, il me parle d'une échelle, il me montre une échelle, il me dit je monte doucement mais sûrement. Après perte d'équilibre. Alors c'est peut-être ça. Je sais pas parce qu'il me montre une échelle. Pourquoi? Alors, il y a des travaux chez vous, Estelle, aussi, en ce moment? Il me montre ça, des travaux. C'est pas la première fois que tu es en contact avec lui. Et il vous pousse à faire quelque chose et c'est en lien avec les travaux chez vous. Travaux. D'accord. Et doucement mais sûrement. Ok. Aussi. Comme si vous aviez plein d'idées pour faire des choses ou avancer dans des. Dans des. Non, parce que c'est les travaux que j'ai moi. C'est quoi? J'ai quoi comme travaux? Alors, seul à l'hôpital. D'accord. Ouais, bah oui, ça se sent parce que c'est vachement plus fluide qu'avec Brigitte. Vous êtes en travaux, Estelle, parce qu'il me montre ça. Il veut que j'achète. Eh ben alors vas-y, doucement mais sûrement. Parce qu'il me montre des travaux. Donc tu vas peut-être acheter une maison dans laquelle il y aura des travaux. Et il te pousse à faire ça. D'accord? Il y aura une histoire de toiture. D'accord. Et vous pourrez la négocier, la maison. D'accord? Mais il faut y aller. Papa, il dit. Enfin, ouais, papa, il dit, faut y aller. Alors, Séverine, David. Alors, attends, je reviens sur André. Qu'est-ce qu'elle me dit, André? Pour Régine. Ouais, elle insiste pour me dire je me balançais et j'étais bien. Alors peut-être qu'elle se balançait dans sa tête et j'étais bien. Elle est partie tout en douceur, hein, mamie. Hein. Tchoups! Elle me dit ils sont venus me chercher. Et je n'étais pas seule quand je suis arrivée là-haut. Alors, elle me parle de son mari. Ou un chéri. Non, parce qu'elle montre un militaire. Alors, c'est peut-être un amant qu'elle a eu quand elle était plus jeune. Vous pouvez parler hein, à vos défunts tout le temps. Il n'y a pas de faut pas les embêter. Non. Après, s'ils peuvent pas vous répondre, ils vous répondront pas. S'ils ne veulent pas, pour X raison, ils ne le feront pas. S'ils sont occupés, peut-être que vous aurez des réponses. Comment dirais-je par le guide, par votre guide, d'accord, qui vous transmettra les infos. Alors, bisous Annie. André, elle me montre un militaire, d'accord? Alors, je vais revenir sur Brigitte, Marina. Pourquoi il me dit, alors, pourquoi j'ai, elle est têtue? Elle est têtue. Et Yves me montre que, comment dirais-je, tu avais commencé quelque chose, tu as bifurqué et ça marche pas comme tu voudrais. C'est quoi Brigitte? Marina. Il y a Yves qui me dit ça. Elle est têtue, mais bon, quelquefois c'est bien aussi d'être têtue. Hein. Comme ça, on voit où on va. D'accord? Mais c'est comme si tu avais commencé une route et hop, t'as bifurqué. Et il ne fallait pas bifurquer. Mais ça fait partie de l'expérience aussi. Alors, Sève, David. Alors. C'est jeune, la vache. C'est qui, David, Séverine? Sève Bouillet, c'est qui, David?
façon, je ne vous lâcherai pas ce soir, hein, d'accord? Fait longtemps qu'on n'a pas fait, donc vous inquiétez pas. Alors, sauf si à 11h, je commence à être fatiguée. Séverine Bouillet, c'est qui David? Parce que c'est jeune tout ça, hein? D'accord. Accident. J'ai quelque chose de pouf, fulgurant. J'ai de la voiture. Non, Sève Bouillet. Ah oui, Sève Bouvet. Alors non, Sève Bouillet, c'est pour David et j'ai Séverine. Oui, on s'en fout de l'époque, mais c'est jeune quand même. Séverine David, pas encore. D'accord? C'est Sève Bouillet qui veut avoir des infos sur David. Parce que j'ai une Séverine Bouillet aussi. Séverine, ok. Ouais. Ben oui. Alors, c'est du rapide. Hein. Il n'a rien vu venir, hein. Alors, c'est bizarre parce que tu vois, j'ai une histoire de flash. Est-ce qu'il a voulu éviter un radar? Et c'est comme s'il avait perdu le contrôle de la voiture. Ou il a voulu. Non, parce que ça fait comme un flash. Ce qu'il m'envoie, c'est comme un flash. Ah ben non, c'est pas violent de tomber d'une fenêtre. Oh non. Bah ben pourquoi j'ai. C'est quoi la voiture alors? Burke. C'est quoi la voiture? Ce qui me parle de voiture, David. Ou alors, tu as voulu l'emmener à l'hôpital? Dans la voiture, il y a eu un flash, c'est quoi? Ce qui me montre un flash hein, qu'il a voulu éviter. Donc, non, c'est pas du tout d'une fenêtre. Moi, il ne me montre pas ça. Ok. Donc, Brigitte, tu vois? Après, ça s'entend, hein, ton stop. Mais il y a peut-être quelque chose à reprendre. Ok, Régine. Il y avait un militaire, Régine. Alors, est-ce qu'avant de. Donc, il est tombé. Tombé? Ou il a voulu se défenestrer? Tu le sais ou pas? Il me parle d'une voiture avec une histoire de un flash. Ou il a eu un flash, peut-être? C'est ça, David? Non, il me parle d'un flash, d'un radar qu'il a voulu éviter. C'est quoi? Et il a perdu le contrôle. Tu sais pas s'il avait eu un accident avant? On a... Ah, quand tu l'as emmené à l'hôpital, vous avez failli avoir un accident, c'est ça? Seb, ce qu'il me parle de voiture, il insiste sur la voiture. D'accord. Il y avait la. Vous faisiez une fête, il y avait du monde avec vous? Il insiste sur la voiture. Tu l'as emmené, c'est toi qui l'as emmené à l'hôpital? Lui, il reste sur la voiture. D'accord. Alors, t'es sûr qu'il n'a pas eu un truc à la tête quand il est tombé? Ce qui me parle de flash. Est-ce qu'il a eu un flash dans la tête? D'accord. Ok. Donc c'est encore mélangé dans sa tête, petit père. Mais c'est bizarre parce que je vois David à se ressasser ça, petit père. Ouais. Il est sans arrêt dans ce cycle-là. Il n'est pas encore vraiment dans la lumière.
C'est ce que je ressens. Ou. C'est comme s'il n'acceptait pas cet état, tu vois? Ok, d'accord. Donc je pense qu'il n'est pas tombé. Il a dû avoir un truc avant de tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le flash qu'il a eu. Il a perdu l'équilibre, en fin de compte. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore dans la lumière. C'est comme s'il était en boucle encore, tu vois. Comme s'il n'avait pas admis cet état, tu vois. Il va peut-être falloir qu'on l'aide, David, Séverine. Alors, il était question à ce que tu le quittes? Que c'est ce qu'il me dit, comme quoi tu n'allais pas rester avec lui, de toute façon. Et la rupture, elle s'est faite avant. Mais voilà, je le vois tourner en boucle. Véro, Véro, si tu es là, tu pourrais t'occuper de David. Est-ce que tu voudras, David? Ouais, il va falloir qu'on l'aide. C'est comme s'il ne voulait pas voir la lumière, tu vois? D'accord, ok. Donc la rupture, boum. Ok. Il va falloir qu'on l'aide, ton David. Hein. Enfin, ton. Il n'est pas encore dans la lumière. Il est en boucle. Véro, Véro? Ok. Bah, tu vois avec lui? Laissez-moi du temps, d'accord. D'accord. Mais j'ai conscience que je ne suis plus avec vous. Mais il me dit qu'il faut que je digère. Ah oui, mais il est 98. Oui, enfin, il n'y a pas de temps là-haut. Tu vois, David, c'est comme si c'était hier. Alors qu'il te voit évoluer et tout ça, il a vu. Il me dit, je retourne là-bas à chaque fois, je retourne là-bas à chaque fois. Et il me parle, c'est l'histoire de la voiture qui me chagrine. Enfin, qui me chagrine, qui le chagrine. Il n'y avait pas longtemps qu'il l'avait, cette voiture. Ouais, bah Véro, tu verras, on se contactera. Et bah c'est ça, Régine, militaire. Elle m'a dit qu'il était venu la chercher. Voilà. Donc, David, je te laisse entre les mains de Véro Véro. Alors, Marjo, papa, alors il me parle de chien. Je lis toujours mon journal. Mon journal. Si, t'en reçois des signes, hein, du fait. Je sais pas, il me parle de voiture. C'est toi qui as eu un flash dernièrement? Tu t'es fait avoir par les autorités? Peut-être, son chien, je sais pas. Il me dit, je lis toujours mon journal. Et si, t'en reçois des flashs J'insiste, hein. Donc David, il parle de flash. Hein. C'est toi qui as été flashée, Séverine? Daniel. Il me parle de son. Alors, secrétaire? Et moi, j'ai pas de photo, ça sera Séverine qui t'enverra. Coucou, Balou. Comment dirais-je? Marjo? Il me parle de secrétaire, ton papa. Alors. D'accord. Alors c'est peut-être ça, il t'a peut-être vu alors. Alors, Marjo, est-ce que papa, il avait un bureau, un secrétaire?
Secrétaire qui a adopté sa chienne. Ah, d'accord. Ah oui, c'était secrétaire comme. Ok. Donc il est là, hein, toujours là. D'accord? Me dit, je lis toujours le journal. Il est cool, papa. Hein? Il me parle de ses chaussons. Il continue sa vie. Plan, plan. D'accord, okay. Oui, mais il me parle de secrétaire. Donc, tu vois, moi, tout de suite, secrétaire, et ça, c'est ça qu'il ne faut pas, je parle, t'as le mental qui s'installe. Secrétaire, tu parles, tu. J'ai pensé à un bureau, mais non, c'était sa secrétaire. Pas enfin, ta secrétaire à toi. D'accord. Il est plan-plan, papa, hein? Cool Raoul, hein? Alors, quel signe t'as envoyé, ta fille? Par rapport au chien. Ben non, mais. D'accord. A priori, il y a une histoire de laisse au moment où tu as changé les. Ou, je sais pas, tu as fait le vide dans sa maison. Et il a fait tomber un livre, il me dit. Non, Fanny. Et coucou, Fanny. Il me dit, il a fait tomber un livre, ou tu as retrouvé un livre par terre, et. La laisse pour le chien. D'accord? Ouvre tes oreilles, me dit-il. Il y a des informations qui passent à la radio ou de la musique. Et automatiquement, c'était dans ses chansons favorites. Il y a le nom de Rose dans une chanson. Coucou Tony! Pas de souci, il n'y a pas de retard. Bah oui, mais c'est pas grave. Tu peux demander à papa qui t'envoie un signe, par exemple, tu sais, il me parle de rose, bah, qui t'envoie une pub, un signe au travers d'une pub, par exemple, d'accord? Par rapport au café qu'il buvait ou au chocolat qu'il buvait le matin, par exemple. Et que, tiens, je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Comment dirais-je? À la mort de ma poupoune, je ne sais plus qui m'avait dit que c'était son départ était pour moi une évolution spirituelle. Et je dis comme ça à la personne, ben ça va planer pour moi. D'accord? Ok. Et juste le lendemain, il y a la pub, une pub avec une chanson de Placide Bertrand, ça plane pour moi. Ben voilà. Ça m'a fait tilt tout de suite, d'accord? Donc demande à ton papa qu'il t'envoie un signe au travers de. Ok? Alors, Tiffany, j'ai pas vu. Enfin, c'est passé trop vite. Faudra que tu me renvoies ton truc. Alors, Audrey, Daniel. Oui, parce qu'il me parle de rose. Ou c'est peut-être une fleur. Ou un parfum, tu vois. Alors, j'ai pas tout vu. Je vais faire Audrey. Audrey, est-ce que tu es là? Esprit, es-tu là? Est-ce que Audrey est là? Ouais, ça bug, je suis désolée. Oui, mais avec son chéri de militaire. Oui. Non, la question, c'était pour avoir le contact défunt, GG. Alors, Audrey, ok. Audrey, c'était Daniel, c'est ça, toi? 31 août 48 et 22 août 21, c'est ça? La boucle est bouclée, j'entends. Ouais, boucle bouclée. Ah, pardon. Pourquoi, pardon, Audrey? Audrey, est-ce que tu peux me dire que Daniel, c'est pour toi?
que je me plante pas. Je vais voir Tony. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais voir Fantas. D'accord? Mais un message d'un défunt. Ou simplement non. C'est peut-être une question. Si vous voulez avoir une information, vous me posez une question simple. D'accord? Alors, j'ai du monde, j'ai du monde, j'ai du monde, j'ai du monde. La boucle est bouclée. Pourquoi il me parle de douane, Daniel, Audrey, ton papa? Douane, pourquoi? Céline, j'ai du blanc, 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 blanc sur toi. Il y a peut-être du mariage qui va arriver, je ne sais pas, ou de la pureté, de la paix. J'ai du blanc, 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 blanc. Oh, puis tu vois, j'ai Stéphanie Blanc au-dessus. C'est fou, ça. Bisous, Marjo. Audrey, il me parle de douane, ton papa. Pourquoi la douane? Il me dit la boucle est bouclée. Alors, vingt-quatre juillet, la Sainte-Christine, ma Véro. Alors, je vais voir Véro. Distillerie d'alcool. Et donc, fallait que ça passe la douane. On parle de douane. Alors, la boucle est bouclée. Je n'ai pas pu attendre. Oui, j'avais bien alcool. J'avais bien lu alcool. Mais ça veut dire qu'il devait passer la douane sans doute alors. Ou il devait passer, il y avait des trucs par rapport à la douane. La boucle est bouclée. Il me parle de papier. Vous avez terminé ces papiers? Papier. Alors, papier, douane. Oui? Mais non. Ah d'accord. Ouais, peut-être des contrôles. Alors, il n'était pas vieux, hein. Pas vieux, 73 ans quand même, hein. Il me dit ça fallait que ça finisse, Audrey. Fallait que ça se finisse. Pourquoi je le vois traîner la patte? Il y a quelque chose. Il en avait marre? Je bug? Ben, je suis désolée. Fallait que ça se finisse, pourquoi? Pourquoi il en avait marre de. Il en avait marre de quelque chose? Il y avait de la souffrance chez ce monsieur-là, non? Alors. Ouais, n'hésitez pas, hein, continuez à poser des questions, d'accord? Alors. J'étais lasse, qui me dit, j'étais lasse. C'était long. Pourquoi? Il était malade, ton papa, Audrey? D'accord. Tu vois, tu marques soit France, soif. Bon, il en a profité avant, hein, quand même, papa. Hein? D'accord? Mais à la fin, il en avait marre. Oh, bah oui, bah, je comprends qu'il voulait partir alors. Non, j'ai pas vu ma Valou. Ah, bah oui. Bah, Valou, je pourrais te prendre à part, toi, ma chérie? Ça fait longtemps qu'on se connaît toutes les deux. Tu veux bien? Je te prendrai à part en MP. Ouais, plus goût, c'est ça. Il en avait marre. Et c'est une délivrance pour lui, hein? D'accord? Tu vois, ce qui me montre là, Daniel, c'est que là, par contre, lui, il est parti. Et il est bien. C'est comme s'il planait. C'est comme si, alors comme il a tout récupéré, la vue et tout ça, tu vois, il est bien, il en profite pour se balader et tout ça. D'accord? Donc, il est bien, papa là.
Alors, il me dit qu'il a retrouvé un chanteur. Un chanteur avec de la guitare. Alors, c'est qui? Tu dois le savoir, Audrey, il me dit. Il a retrouvé un chanteur avec de la, avec un chanteur avec une guitare. C'est pas une guitare électrique, hein, c'est une guitare sèche. Brassens, c'est Brassens. Il aimait bien Brassens? C'est Brassens? Il me dit on avait le même humour. Ah, Phil Collins. Bah, il est mort, Phil Collins. Ah bon? On m'a pas prévenu. C'est quoi ça? Non, Brassens. Ce qui me montre le monsieur avec de la moustache. Ce qui me parle de banc public. C'est cool ça. Et tu, voilà, ok. Et en fin de compte, voilà, c'est, il est cool. D'accord. Il me dit, il faut pas penser à moi. Hein. Passez à autre chose. Moi, je suis bien. J'en profite. Il me dit, je rattrape le temps perdu. Ah bah oui, si après il était. Mais il a choisi cette expérience hein, pour après revivre une incarnation beaucoup plus cool. Il me dit que les émanations, c'était pas cool, l'alcool. D'accord? Il va bien, Daniel. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Papa Serge. Aurélie. C'est ça. Ah bah oui, Aurélie. Ma chérie Aurélie. Alors, Papa Serge. Alors. Oh bah c'est pas vieux non plus tout ça, dis donc, 70 ans. C'est quoi, pourquoi il me parle de fulgurant, ton papa? Aurélie, t'es là? Bichette? Je t'en prie, Audrey. Donc, Balou, t'as entendu, hein, je te prendrai un MP, alors peut-être tout à l'heure ou vendredi. Je t'enverrai un petit message, d'accord? Faut que tu me donnes le prénom de maman. Balou. Alors, pour info, Balou, j'ai Carole qui est venue me voir, pas cette nuit, mais la nuit d'avant, enfin, quand je me suis couchée. C'est cool, hein? Alors, ouais. Aurélie, oui, ma chérie, c'était fulgurant pour papa? Coucou Mathilde. Aurélie. Parce que j'entends, ça tombe dessus comme ça. Pourquoi il me parle de ses jambes, papa? Il avait des varices? En fin de compte, je suis connectée. Je ne regarde pas les dates. Que ça, le fait de voir les dates, il faudrait que j'ai plus de temps. D'accord. Il me parle de ses jambes comme s'il avait des varices. Et il me parle de fulgurant. C'est quoi, c'est un cancer fulgurant? C'est ça? Alors, coucou Toti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, Serge? Je dois comprendre de ma nouvelle vie. Il croyait pas à la spiritualité. Il n'y croyait pas. Tu avais essayé de lui en parler.
Ah, je suis désolée pour le réseau. Ça me fige, j'espère que je ne fais pas une grimace alors si ça fige. Ok, bisous Bérénice. Bisous Olivia. Ouais, sois patiente. Alors. Bah, pourquoi il dit je dois comprendre demain? Ah, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. D'accord, je comprends. En fin de compte, comme il n'a pas été préparé à partir, donc il est sorti de son corps. Ok, donc tu vois par exemple quand il voit sa main, il voit plus sa main, enfin c'est de l'énergie, et il doit comprendre. Alors, c'est qui Pierrette? Il me parle d'une Pierrette. Pierrette. Il me dit, j'ai retrouvé Pierrette. Alors, je dois comprendre de ma nouvelle vie. Je ne me suis pas rendu compte. Alors attends, je ne me suis pas rendu compte. Attends, tu vas trop vite, Serge. Rendu compte. Ah, d'accord. De. Il me dit qu'il a retrouvé Pierrette. Il ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas été toujours sympa. Donc là, il a vu dans le film de sa vie qu'un certain extrait, il s'est dit mince. T'as pris de son caractère, il me dit. Fonce, ma fille. Tu mets pas tous les atouts de ton côté. C'est quand votre départ là, vous? Alors, il me dit que quand tu seras dans la nature, ça sera nettement mieux. Bah, tu es déjà dans la nature pourtant, toi. Il faut que tu ailles à côté de l'eau. À côté de l'eau, mais d'une rivière. D'accord. Il me dit que les messages que tu vas recevoir, comment dirais-je, les messages que tu vas recevoir, ils vont venir de l'eau. Ça sera un fil conducteur. C'est quoi qui se fait en duo là? Il veut monter son garage, ton mari? Ah, vous partez en novembre, cool! Alors il y aura de la rivière? Oh bah, génial, super. D'accord. Il me dit que les messages, là, ça va passer nettement plus que ce que tu as déjà, beaucoup, mais nettement plus parce que la rivière est un, pas un long fleuve tranquille, mais ça va, comment dirais-je, ça sera plus fluide. D'accord? C'est quoi qui se fait en duo avec ton homme là? Il veut monter un garage? Parce qu'il me montre des voitures, ton papa. Alors, je remonte, je remonte, je remonte. Alors, bisous Julie, si t'es partie. Pourquoi je vois tu te rapproches de moi? Il était de la Dordogne, ton papa? Aurélie? Ah non, c'est Véro qui dit ça. Mais malgré tout, ça m'a fait tilt. Non, pas toi, Aurélie, pour le garage. Ton homme. Alors, tiens. Qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Fonce, ma fille. Ça veut dire que tu mets peut-être malgré tout trop de peur. D'accord? Alors, Valérie, le coup de terre. Ta fille, oh petite mère. Tiphaine. Hop là. 6, 2, 88, 5, 1, 20.
Pourquoi ça me dit quelque chose, Valérie Lecoutère? T'es déjà venue ou je t'ai déjà eu en consulte ou pas, Valou? Ça me dit quelque chose? Je suis en train de penser à ma soeur. Mais non! T'inquiète, Marjo. Arrête ça tout de suite. Bisous, ma Valou. T'inquiète pas, je m'occupe de toi, Valou. D'accord? Et donc, comme je t'ai dit, il y a Carole d'Agey qui est venue me voir. C'est cool. D'accord. Ton mari était mécano avant? Bah, je sais pas, j'ai un truc avec les garages, les voitures. On va peut-être trouver dans la mécanique là-bas, alors. Peut-être. Alors. Tiffaine. Valérie, le coup de terre. D'accord. Dernier contact. Tu peux me donner ta date de naissance, Valérie? À toi. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai du déménagement, moi. Ça bouge. Donne-moi ta date de naissance, Valérie. J'ai compris. Ça sera pour plus tard, mon Tony. Bisous, bisous. Ouais, à ta fille qui te pousse, Valérie. Oh, elle m'envoie des anges, Tiffaine. Pourquoi elle me parle de sucette, ta fille? Alors, 18 mai 65. Merci. 1, 8, 9 et 3, 12. 12 et 6. Ah ben voilà. Très bien. D'accord. Alors. Ouais, il y a du démarrage chez toi, Valérie. J'ai un déménagement à prévoir. Bah t'inquiète, Pascal. Coucou, Émilie. Ton futur chez toi, mais tu vas l'avoir, ton futur chez toi, hein. Tu feras attention à tes pieds, Valérie, aussi. D'accord? Alors, Tiffany me dit, maman, il faudra que tu gardes une chambre d'amis. Il faudra que tu gardes une chambre d'amis. Enfin, une chambre complémentaire, quoi. J'ai dû. Mais c'est normal que tu. Enfin, tu te sépares. Tu es en période 9, fin de bilan. Donc tu fais du tri autour de toi. Je t'en prie, ma puce, Aurélie. Tu es en année 9, donc on fait du tri. D'accord? On enlève ce qui ne nous convient plus et pour repartir sur des bonnes bases. Mais à partir du 1er novembre, tu vas être dans les énergies du 1. D'accord? Le 1, c'est démarrage et puissance. Et j'ai du déménagement pour toi. Oh la vache, Nicole Gadget. Alors Nicole, tu viens d'arriver. Merci, merci, merci. Il y a quelques minutes, je venais de parler d'une collègue à moi qui est venue il y a 2 jours, qui s'appelait Carole Daget. Et quand j'ai vu Gadget, j'ai vu Daget. C'est phénoménal. Merci Valérie, Nicole, pour ça. Merci. Tu sais pas pourquoi, mais moi je sais. Tu vas trouver ton logement, Valérie. Tu ne t'inquiètes pas. Mais il faut garder une chambre d'amis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça va bouger. D'accord, Valérie? Tu t'inquiètes pas. OK? Alors. Alors, Corinne. 15, 10. Une formation. Alors, déjà, Coco, comme pour beaucoup, d'accord? Quand on fait une demande à l'univers, c'est pas est-ce que je vais trouver un travail qui me plaît? Il est évident que tu ne vas pas prendre n'importe quoi. Là, simplement, ce que vous devez demander à l'univers, c'est merci pour ce travail. Je suis épanouie.
Donc là, déjà, tu fais comme si c'était déjà. D'accord? Il faut changer votre façon de poser les questions. Alors, attends, Corinne, d'abord. Coucou Aline. 1 et 5, 6 et 1, 7. 7 et 7, 14. Il y a du changement, Corinne, pour toi. Renaud, hein? Changement, mouvement, expansion. Ouais, tu avais une année bloquante, toi. D'accord? Ah ben génial, Valérie. Donc, Corinne, Renaud, donc tu ne t'inquiète pas, ça va bouger. D'accord? Là, tu étais en blocage, hein? Donc, évidemment, ça ne marchait pas comme tu voulais. Enfin, en blocage, en tout cas, c'était ralenti. 5, 6, 1, 7, et 6, 13. Bah oui, 4 du 13 en plus. Mais ça t'a permis de te concentrer sur vraiment ce que tu voulais faire. Donc, tu ne t'inquiète pas, ça va bouger. Et pour faire la demande d'un travail qui te plaît, bien sûr. Bon, déjà, il faut faire les bonnes demandes vis-à-vis de ton travail. Mais c'est surtout que merci pour ce travail dans lequel je suis épanouie. D'accord? Et là, tu vas trouver. En tout cas, ça bouge. Je t'en prie, Valérie. Alors, Céline. Simon. Céline, Simon. Alors. De toute façon, je ne vous lâcherai pas. Ouais, il y a quelque chose, Tiffaine, Valérie, pour Tiffaine, la séparation avec ton mari, c'était par rapport au pas. Il y avait un truc par rapport au départ de Tiffaine, je pense, qui a foutu de l'embrouille, mais c'est un mal pour un bien, me dit-on. Céline, donc, alors, Liliane, elle montre du blanc. 6 août. Alors, il y a les parties qu'en 2004. Elle montre du blanc. Pourquoi elle montre? C'était ta marraine. Tu me l'as écrit ou pas, marraine, ça? Oui, bah oui. Parce qu'elle montre comme une gourmette. En général, les marraines, elles offrent des gourmettes, tu sais. Alors. Alors, ma reine, elle me dit, tu vas retrouver un cocon dans lequel tu pourras t'épanouir. Ne désespère pas. D'accord, ok. Ça veut dire que là, tu es peut-être arrivé à un moment où tu désespérais, bah, je sais pas, d'être seule et voilà. Ton appart était peut-être un petit peu tristoun, d'accord? Et là, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va te permettre de. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu avais un appartement et tout était sombre, et hop, tu ouvres les volets, tu ouvres les rideaux, tu ouvres les fenêtres, tu fais rentrer l'air, et c'est ce qu'elle m'envoie pour toi, ma reine, d'accord? Ne désespère pas, me dit-elle. Et continue. Continue sur ta lancée. Donc, je pense que c'est par rapport à ton boulot. D'accord? Ah, d'accord. C'était pas le papa de Tiffen? Mais c'est bizarre parce qu'il y avait un truc par rapport à ça. Ou est-ce que toi, tu as été trop prise par rapport à Tiffen? Tu vois? Alors, Pascal. Idée. Alors. Alors, donc Pascal, Lalou, qu'est-ce qu'il a à dire le Lalou? Un 9, 6, 1. Qu'est-ce que c'est jeune, hein? Ah bon, nous on se dit que c'est jeune, mais eux, de toute façon, c'était écrit, hein. Alors, il me parle de 20. Alors 20, ouais, est-ce que j'ai le raisin? Donc de 20, il n'était pas viticulteur. Pascal, il n'était pas viticulteur.
Coucou Arlette, Pascale. Alors. Alors il me dit, ah, enfin. Donc ça veut dire que tu l'as pas assez sollicité peut-être? Si je vois tes messages, Manini, t'inquiète. Je te promets, c'est après. Bah oui, t'es pas tout seul, hein. T'inquiète, ma chérie, je m'occupe de toi après, Nini. Repose-moi la question. D'accord? Je te note, Nini. Voilà. Ok? Pascal. Et j'ai vu aussi Véro, t'inquiète pas. Pascal. Idée. Pour Pascal. J'ai vu aussi Vantas, hein, t'inquiète pas. Véro Magnier et Fantas. Je m'occupe de vous après. Alors, et Mystique, pareil, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je suis là jusqu'à pas d'heure. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Merci Valérie. Alors. Ah non, 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 Delphine. M'appelle pas Delphine. Ça me coupe tout. Alors, Pascal, oui, t'es là. Et, alors, Pascal me parle de raisin et il me dit, ah, enfin, ça veut dire que tu ne le sollicites pas? Alors, pourquoi j'ai de la moto? Moto, raisin. Fanfaron, enfin quelqu'un qui aimait la vie, qui était gay, c'est ce que j'ai. Alors écoute, je te dis exactement ce que je reçois. J'ai de la Harley Davidson, j'ai un quelqu'un avec qui se tient comme ça sur la Harley, un vrai motard de chez Motard, avec le bandana. C'est pourquoi j'ai ça. De Pascal. Tu veux bien me dire, Pascal? J'ai ça. J'ai Harley. J'ai de la joie de vivre. Et ouais, j'ai de la moto. Est-ce que tu veux bien me dire, Pascal? Ben, vous ne me voyez plus là. Si? Alors, j'espère que ça n'a pas coupé l'appel de Delphine. Hein. Que je me vois plus sur écran là. Alors, y a un bug avec Facebook peut-être, non? Vous me voyez ou pas? Alors, d'accord, pas viticulteur. Il me parle de raisin, moto, pourquoi? J'ai ça. Ah, c'est le chat, d'accord, Delphine. T'as dit rien. Alors écoute, c'est ce qu'il m'envoie. Où est-ce que tu es célibataire et que tu rencontreras quelqu'un? C'est ce qu'il m'envoie. J'ai vraiment cette photo-là. Garde ça quand même. J'ai vraiment de la Harley. Et j'ai tout un groupe de motards avec lui. Alors, est-ce qu'il a retrouvé des copains motards là-haut? Je ne sais pas. Mais il se montre à moi vraiment heureux. La joie de vivre, tu vois? C'est comme si, de sa vie terrestre, il avait emmené sa joie de vivre dans sa vie de là-haut. Alors, il n'était pas motard, donc peut-être qu'il avait au fond de lui envie d'avoir une moto, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me montre ça, d'accord? Coucou Karine. Tu vois pas la moto, mais lui, en tout cas, il me l'envoie. C'est fou ça. Mets l'histoire de la moto de côté, d'accord? C'était qui Pascal pour toi, Pascal?
Ton chéri? Alors, Gabriel. Quel beau nom, prénom. Alors, 2 avril 30, 18, 11, 96. Ok, j'ai noté, Nini. J'attends que Pascal me réponde. Oui, Véro. Coquin de chat. Il ne veut pas me donner un autre signe. Bah, demande-lui ce que tu veux exactement. Coucou Anso. Ton premier chéri. D'accord. Écoute, là, à l'instant, ce qu'il m'envoie, c'est ça. C'est qu'il est en moto. Il me dit, tu es passé à autre chose. Alors, il me dit, c'est comme si vous n'auriez pas été heureux tous les deux. Alors, des fois, quand on attend un signe bien précis, on ne l'a pas. Hein. La première, je suis concernée par ça. J'attends vraiment des signes. Je ne les ai pas. Enfin, qu'un autre médium me donne et je n'ai pas. Mais Pascal, est-ce que tu peux me donner vraiment le signe, s'il te plaît, qu'elle attend? Il me parle de Muguet, 1er mai. 1er mai, Muguet. Alors, est-ce que vous avez un tatouage en commun? Enfin, est-ce que vous aviez un tatouage en commun ou une envie de tatouage en commun, Pascal? Est-ce que c'est ce qui m'envoie du tatouage? Oui, je suis d'accord avec lui. Et je me souviens plus ce que je t'ai dit. D'accord. Et le tatouage? Pourtant, Pascal, ça peut être sympa comme couple. Écoute, là, il est heureux. Il me dit, il ne faut pas revenir en arrière, il est heureux. Il est avec des motards en Harley et il se balade. Ça, c'est fort de café, hein. C'est difficile à imaginer, hein, de là-haut, qu'il fasse de la moto et tout ça. Mais peut-être qu'il monte sur les motards, enfin les motos, et que les motards ne le sentent pas, je ne sais pas. En tout cas, il est heureux, d'accord? Pas de tatouage. En tout cas, lui, il est tatoué, hein, d'accord? Non, juste la mer et la Bretagne. En commun? C'est déjà pas mal. Donc là, moi, j'ai pas du tout la mer et la Bretagne, j'ai de la Corse, d'accord? Je t'en prie, Pascal. Mais demande-lui si vraiment tu veux avoir des messages de lui, qu'il t'envoie les messages. Alors, des fois, ils ne peuvent pas non plus envoyer ce que nous, on voudrait. Tu vois? Mais bon. Mais tu es passé à autre chose. Continue ta route. Est-ce que tu t'es mis avec quelqu'un qui connaissait? Un copain à lui? Enfin, un copain à vous? Parce qu'il m'envoie ça en passant, avant de partir. Que tu t'es mis avec quelqu'un que lui connaissait ou qu'il a connu. Tu me diras? Merci Véro. Hein, Pascal? Est-ce que tu es resté dans le même clan d'amis que tu avais à l'époque où tu étais avec lui? Si c'est ça, c'est génial. Alors, tu me répondras. Ok, Pascal? Alors, Nini. Nini, après je passe Véro et après... bon, je suis là. 454 commentaires, la vache. Alors, Nini, Gabriel. Je vois pas. Bien. Alors... Ouh, elle est bien haute, Gabrielle. D'accord. Elle t'envoie... Pas d'amis en commun. Non, mais mon mari avait...
Moto. Ouais, mais c'était pas une Harley. Enfin, là, il me montre une Harley. Alors. En tout cas, Pascal est heureux. Gabrielle, elle est bien haute. Maman me dit de te dire, Nini, que c'est l'archange Michael qui te protège. T'es plus avec ton chéri, Nini? Ça a cassé? Pourquoi elle me fait ça comme ça? Non, c'est attention, ça même. Non, ça a cassé. Nini? Oh ben, je t'en prie, Pascal. Mais c'est eux, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis rien. Hein. D'accord? Alors, et je vais pas mentir. Tu vois, je vais pas dire. Enfin, voilà. C'est eux qui m'envoient ça. Mais en tout cas, il est sur une Harley Davidson. Hein. C'est cool. Et il est heureux. Alors, Nini? Ah ben voilà, maintenant je t'appelle, t'es plus là. Alors, Véro, faut que tu me redonnes. Alors, tu me l'avais donné ou pas? J'entends encore parler de tatouage pour toi, Pascal. T'as pas envie de te faire tatouer? Alors, Nini, t'as cassé avec Chéri Chéri? Non, toujours avec. Bah alors. Ou alors tu t'es disputé parce que maman, elle fait ça comme ça. Attention. Il y a beaucoup de jalousie. C'est lui qui est jaloux? C'est cool si t'es encore avec lui, c'est génial. Alors, c'est l'archange Michael hein, qui est avec toi. C'est beau. Et d'accord. Elle me dit oui, c'est l'archange Michael, il en faut. Ok. Bisous, de toute façon, je te vois demain. Le 19, Sarah. D'accord? Alors. Attends. Véro, faut que tu me redonnes les dates, s'il te plaît. Véro Magnier. Je suis sur l'archange Michael pour Nini. Après Fanto, Fantas, je fais Véro Véro si tu es toujours là. Grande protection pour toi, Manini. Pas de soucis, Brigitte. D'accord. Eh bien, tu vois, Johnny Hallyday, il avait une Harley Davidson. Tu vois? Et tu vois les balades avec aux États-Unis avec Johnny. Donc comme quoi Pascal était bien là avec toi. Voilà. Avec le bandana et tout ça. Oui, je sais que tu es là, Fantas, t'inquiète. Véro aussi, je sais. Alors attends, Véro Magnier, donc tu m'as pas redonné des dates. Nini, maman me dit de te dire que tu as une grande protection sur toi avec l'archange Michael. Mais elle me dit attention, beaucoup de jalousie. Donc sans doute ton chéri qui est peut-être un petit peu trop jaloux. D'accord? Oui, Véro, je t'ai dit. Alors. Aussi. Alors, attends, Steph, je te donne. Papa, Jean-Pierre. 28 mars. 55. 3 août. 8. Il est dans la matière là, Jean-Pierre. J'ai de la matière. J'ai. Ouais, on verra après. Ouais, je verrai Steph, t'inquiète. Pareil, Angélique. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes patient, bah, Véro, Véro, tu me redonnes des dates, s'il te plaît. Parce que l'autre Véro, Manier, ne me donne pas. Ouais, ok, Marie. Marie-Christine. Tu me redonneras les dates. Ah, enfin, Véro. Alors, Tata. 10, 10, 21. Alors, Tata, il y a un truc.
Non, je fais qu'un. Tu me dis si tu veux ta tante ou Francis. Mais je fais un seul défunt, Véro. Et c'est Tata que j'ai tout de suite qui me dit de te dire pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout. Il y a un truc qui s'est arrêté. Alors, t'as peut-être été bloqué sur un dossier, Véro. Je suis partie sur Tata. Enfin, c'est Tata qui est venue. D'accord? Ouais. Elle m'a dit pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout? Il y a un dossier qui s'est arrêté. Alors c'est peut-être à cause du Covid, remarque. Il y a un truc, il y a comme s'il manquait un papier ou t'as pas renvoyé le papier et ça a tout bloqué. Elle dit, je te vois d'où je suis, je te vois. Et je te pousse. Alors elle me dit qu'il faut vraiment que tu penses à toi, hein? D'accord? Alors. Jacques. Tu penses trop à aider les autres. Hein? Eh ben voilà, Véro. Et mamie, elle veut pas. Ta tante, elle veut pas. Alors, janvier 30. Oui, 24. Ah ben oui, c'est vrai. Saint-Christine. Alors. Il faut que tu relances la machine, hein, Véro. Magné. D'accord? Bah oui, mais il faut que tu pousses au cul pour qu'on te les donne les papiers. D'accord? C'est à toi de te défendre. De toute façon, elle est là, hein. Elle te voit, hein. D'accord? Bonne nuit, Marina. Bonne nuit, Brigitte. Ta faute, hein. Marina Vladi. Oh, ouais. Tu demandes à bien dormir, Brigitte, avant de te coucher. Tu demandes à. Merci pour la merveilleuse nuit que je vais passer. Tu verras. D'accord? Alors. Donc, il faut que tu y ailles. Ok? Mon nini, tu ne donnes pas suite, hein, donc je passe à autre chose. Hein. Donc, tata, elle est là, enfin, ta tante, elle est là, elle te regarde, elle te pousse pour que tu reprennes le. Bisous, Pascal. Merci. Que tu reprennes les affaires en main. D'accord? Non, on te bloque parce que tu te laisses trop faire. Et tata, elle me dit de te dire que tu penses pas assez à toi. Donc, il faut que tu penses à toi. Tu es en train de te couper l'herbe sous le pied toute seule. Donc elle veut que. Voilà. Ok? Alors. Donc. Fantasmago. Bisous Nini, mais tu m'as pas répondu alors. Fantasmagorie. Alors, j'avais pas noté les dates. Tu peux me les donner s'il te plaît. Et en attendant que tu. Bah, ça marchera pas dans ton état. La façon dont tu réponds, Brigitte. C'est sûr que ça ne marchera pas. D'accord? Maintenant, si vraiment tu mets l'intention de bien dormir, tu verras. Mais là, la façon dont tu écris, tu vas mal dormir. Tant pis pour toi. Tu te sabres toute seule avec ces vibrations, ma chérie. Tu vois? Alors, Fantasmagorie, tu me redonnes des dates, s'il te plaît. Bisous. Alors, ma. Véro, Véro. Alors, donc c'est ton papa, hein? Alors, il me parle de grosses charges de travail. Il était dans les papiers, ton papa? Enfin, il faisait beaucoup de papiers? Véro, pourquoi il me parle de ça? Alors. C'est qui décédé 17 avril 22? Hein, Fantasmagorie? Qui est décédé? Papa, maman, Cédric. Chéri, chéri? Ou un frère? Véro, est-ce que ton papa était dans les papiers? Ah bon, bah excuse-moi alors, Brigitte. D'accord, ok. Ce qui me dit grosse charge de travail. C'est ça qui l'a épuisé peut-être, non? Parce que c'est le premier mot qui m'a dit grosse charge de travail. Il me parle de fatigue. Il est parti d'une crise cardiaque? Ton ex-mari. Ok. Merci, Fantas. Alors.
quand je suis sur deux, je suis sur Véro Véro et Fantasmagorie. Mais dans le sens où quand tu dis ton ex-mari, c'est parce que maintenant qu'il est décédé ou c'était qu'il était déjà avec quelqu'un? Alors, t'avais quitté Cédric, était allé avec quelqu'un, enfin, vous étiez séparés pour aller avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Fantas. Ouais, bah c'est ça. Crise cardiaque, c'est ce qu'il m'envoie, ton papa. Alors. Bon, non, je peux pas dire ça. Non, je le dirai pas. Il y a ton père qui me dit quelque chose que je ne veux pas te dire, Véro. Alors, il y a un changement par rapport à ta maman, de lieu. Pourquoi il y a du changement où elle est là aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est les médocs, c'est quoi? Ou alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du changement chez toi? Non, Véro. Bah pas là sur le groupe alors. D'accord? Et même, non. Faut que tu te prépares. Non, mais je te dirai en privé. Ouais, alors on n'est pas de maman, mais il y a du changement dans son institut. Ou c'est un changement de traitement ou quelque chose comme ça. Papa va la voir, hein. Elle t'a jamais dit qu'elle voyait son mari? Mais ils étaient séparés ou quoi? Il y avait un truc, ils étaient plus ensemble quand il est parti? Parce que malgré tout, il vient la voir. D'accord, bah, je te dirai en MP, Véro, d'accord? Mais là, tout de suite, là maintenant, ils étaient plus ensemble? Ou il était question à ce qu'ils se séparent? Parce que j'ai vraiment quelque chose comme quoi ils n'étaient pas du tout en... Comment? Ensemble. Mais là, enfin, là, il va la voir. Bisous, ma Céline. Bon, on en reparle en MP, Véro, d'accord? Alors, Fantas, donc vous étiez séparés, d'accord. Depuis 10 ans. Je bois un coup, vous me permettez? Je vais me saouler. Je t'enverrai un MP, Véro, d'accord? Alors, je sais pas, il s'engueulait parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Ton papa était en colère après ta maman. En tout cas, il vient la voir là, d'accord? Elle te l'a peut-être dit. Mais il va bien, papa. Il me dit, je suis soulagée. Et je profite. Mais je te dirai en MP, d'accord? Alors, Fantasmagorie. Bizarre comme nom quand même, hein, Fantasmagorie. Alors. Pourquoi je fais ça? Il faisait de la batterie, Cédric? Parce que je bouge mon pied, tu sais, comme si je faisais. C'est la pédale où tu as le truc qui tombe. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faisait de la batterie? Fantasmagorie? Est-ce qu'il faisait de la batterie, Cédric? Parce que j'ai mon pied qui bouge. Ou alors il était nerveux. Non, parce que c'est comme si je faisais, c'est la grosse caisse là. Boum, boum, boum. Ouais, et puis ma jambe, elle n'arrête pas de bouger. Il était nerveux aussi. Fantasmagorie. Youpi, youpi.
Alors. D'accord. Il était nerveux alors. C'est ça qui t'a saoulé? Alors, j'entends que ouais, c'était un adulte adolescent. Instable, il me parle d'instable. Alors, il me dit aucun regret. Il fallait faire ce que tu as fait. C'est toi qui avais demandé le divorce? C'est mieux quand on me répond quand même. J'ai un truc à la tête pour lui, c'est quoi? Comme si dans sa tête, ça allait pas bien. Ouais, il me dit, je faisais pas attention à ma santé. D'accord. Ok, Véro. Il a fait un AVC, Cédric? Il me parle de sa tête. Et c'est bizarre parce que tu vois, j'ai la. C'est comme si il prenait des drogues. Tu vois, j'ai la tête qui tourne. Enfin, c'est flou dans ma tête comme s'il prenait des drogues. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Les messages me viennent en décalé. Pourquoi, Mystique, tu me dis ça? Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'il a eu à la tête? D'accord, pancréas. Alors, il bouffait n'importe quoi? D'accord, ok. Donc c'est ça. Donc on vous a dit qu'il était parti du pancréas. Parce que moi j'ai quelque chose à la tête. Hein. C'est comme s'il avait un vaisseau qui avait pété à la tête. Et tu as bien fait. Je suis raisonnable maintenant. J'ai compris. Ce que j'ai dans la tête, c'est comme si c'était flou, tu vois, donc par la drogue. Mais il me dit qu'il avait un truc à la tête. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'était à cause de la drogue? Ah bah peut-être qu'il y a un décalage, oui. Il me dit, je suis raisonnable. Il a compris de ses erreurs. Oh, ben, il bouffait n'importe quoi là. Il avait de l'alcool, non, ce monsieur-là? Ah, bah ben, oui, mais ça, c'est souvent comme ça, non? Coucou, Val. D'accord. Cédric me dit, je suis passée à autre chose. Alors, je sais pas pourquoi j'ai aussi de l'alcool. Il fait ça. 3, 4, 8, 12, 2, 14, 8, 22. Ouais, c'est ça. Il me dit qu'il aide les gens. Alors. Wow. Alors ça, c'est fort de café. Ce que je vois, c'est que Cédric, dans sa vie terrestre, en gros, il a fait un peu n'importe quoi. C'était pas trop sérieux. Et là, il est parti directement dans la lumière. Ouais, tu vois, donc l'alcool, c'est pas génial. Il est parti directement dans la lumière pour aider les gens. D'accord? En gros, c'est pour se rattraper, tu vois.
Mais il m'a dit, il faut passer à autre chose. Je suis passée à autre chose. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il a compris tout de suite de ses erreurs. Donc ça va bien pour lui, hein. Mais il me dit, je n'ai pas spécialement de message pour toi. Je n'ai aucun regret. Bah oui, c'est normal, il est passé à autre chose. C'était mon incarnation qui était comme ça, qui devait être comme ça. T'as pas eu d'enfant avec lui? J'espère. Que c'est dommage pour les enfants. Quoique après, les enfants, ils choisissent aussi les parents. Donc j'ai pas plus de messages. Alors, Stéphanie Merlet. Non, pas Merlet, si. Si, Stéphanie. Alors, Jean-Pierre. Il me parle de maçonnerie. Tu fais des travaux chez toi en ce moment, Virginie? Stéphanie? Hein, Steph? Tu fais des travaux chez toi en ce moment? Il me parle de maçonnerie, papa. Maçonnerie, puis il me parle de charpente. Alors, il me parle d'un complexe en commun. Nouveau. C'est nouveau, il y a un truc en commun que tu fais. Il y a un truc sur l'eau aussi. Irrigation. Il me parle de travaux. Il me parle de bois. Il travaillait le bois, ton papa? Ok, fantasme. J'ai vraiment du bois, Stéphanie. Ah non. T'as quelqu'un avec toi ou autour de toi qui travaille le bois? Stéphanie. Il me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire ou qui va se faire. Comment? Comme si, comment on appelle ça là? Tu sais, un groupe et vous avez chacun vos spécificités, vous mettez tout en commun, comme si vous alliez créer une vie en communauté, tu vois? Et il me parle de l'eau, de l'irrigation. Il y a un truc par rapport à l'irrigation. Il y a de la maçonnerie. Ou c'est comme si vous alliez, pas faire un moulin, mais il y a un truc avec de l'eau. Comme si vous alliez utiliser l'eau de quelque part pour l'amener dans les jardins ou les champs. C'est comme si tu rentrais dans une association, tu vois. Qui est-ce qui travaille le bois autour de toi? Parce qu'il me parle de lui. Ou qui a travaillé le bois? Ou quelqu'un que tu as eu autour de toi qui travaillait le bois? Parce que papa, il me dit, c'est là où il faut aller pour toi. Tu vois? C'est quelqu'un autour de toi. Ben, c'est du comme ça, hein? Qui travaille le bois. Ouais, tu vois, je vois du quelqu'un qui, ouais, qui travaille le bois. On me le montre en bleu, ce monsieur-là. Il a un bleu de travail. Ne passe pas à côté, il me dit. Écoute. A priori, ce monsieur-là, là, qui fait du bois,
Non, alors, le bois qui m'envoie, papa, c'est quelqu'un serait peut-être quelqu'un que tu as côtoyé, peut-être un chéri-chéri, et que tu ne côtoies plus. Et il me dit, il ne faut pas lâcher le morceau, ne passe pas à côté. Ou c'est peut-être quelqu'un, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose, mais c'est pas allé trop loin. Mais papa me dit de te dire, ne passe pas à côté. Jean-Pierre me dit, ne passe pas à côté. A priori, c'est quelqu'un qui pourrait. Ça pourrait matcher tous les deux. Ouais, réfléchis à ça. C'est une rencontre, je sais pas, sur OVS ou un truc comme ça. Et c'est quelqu'un qui. Papa me l'envoie sur une photo, il y a une table. Comme s'il faisait une table. Tu vois? C'est un bon bricoleur en tout cas. Et papa me dit ne passe pas à côté. Et c'est comme si tu allais rentrer dans une association, toi. C'est bizarre. Vous allez vous regrouper, tu vois. Continue tes plantes, me dit-il. Ah, d'accord. Et il y a une autre recette. A priori, tu as pensé à une autre recette. Bisous, Steph. Ça sera pour une prochaine. D'accord? Continue tes plantes. Il y a une autre recette à faire. Ok? Alors, tatin. Angélique. Angélique. Maman. Marie-France. 5945. Pas décédée, renaissance. 5 avril 2019. Ouh là là, c'était lourd. Ouh, elle a morflé, cette dame. Souffrance, Angélique. Elle est partie d'une maladie. Ta maman, Angélique? Ah bah super, Steph. Ok. Elle a morflé, petite mère, hein? Mais ça, c'est du passé, elle me dit. Ça, c'était avant. C'est du passé. Mais elle avait hâte de partir. Enfin, elle était entre deux, hein. Hâte de partir par rapport à la souffrance, mais pas hâte de partir par rapport à vous, tu vois? Alors, je vois des étoiles. Et je regarde, je regarde les étoiles. Elle me parle de Petit Prince. Pourquoi? Il y avait un truc avec le Petit Prince? C'est quoi cette histoire de Petit Prince? Steph, il n'y a pas de. T'inquiète pas, je te fais après, d'accord? Et après, alors je fais Steph et puis après Valérie. Oh, elle a pris mon tour. Non, c'est comme ça, elle vient. Tu me redonnes les dates, Steph et Valérie. Charon. Jocelyne. 1er octobre 64. Alors, attends. Renaissance 25 août 2021. Vous voyez que c'est plus sympa de marquer Renaissance, hein? Alors. Oh. Bisous, ma Véro. Ouais, en MP. Petit prince. Hop, 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 hop. Ne me dis rien. Alors, mets ça de côté, parce qu'elle me parle du petit prince. D'accord? Alors. Le petit prince. Il n'y a pas une histoire avec les étoiles, parce qu'elle me parle d'étoiles. Elle est soulagée, elle est bien, maman, là. Alors, elle aide les personnes malades, d'accord? Elle accompagne les personnes malades pour les soulager, tu sais, des douleurs.
Mais garde le petit prince de côté avec les étoiles, d'accord? D'accord. Elle me dit de te dire qu'il ne faut pas rester sur ces souffrances de maladie. D'accord. Ben, si tu es cancer, c'est peut-être normal. Peut-être que tu es cancer, toi, non? Cancer, c'est la lune. Elle me dit qu'il ne faut pas rester sur ses douleurs, sa souffrance. Il faut penser à ce qu'elle est maintenant. Tu as des enfants, Angélique? Ce qu'elle me renvoie sur des enfants. Dis-moi si tu as des enfants, Angélique, parce qu'elle me renvoie sur les enfants. Et une petite fille en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que c'est? Poisson. Non, poisson, c'est pas la lune. Poisson, je ne sais plus ce que c'est comme être signe. Le poisson, c'est l'eau. L'eau, c'est. Comment dirais-je? C'est l'intuition aussi, hein? T'as pas d'enfant. Pourquoi elle m'envoie sur les enfants? T'as fait une fausse couche? Non. Alors, est-ce que t'as fait une fausse couche? Parce qu'elle m'envoie sur une fille et toi. Je ne sais pas. Qui est Adélaïde alors? Je ne sais pas. Elle me parle d'une petite fille. Non. C'est pas ce que j'ai comme vibration. Parce que ça te concerne toi, tu vois. Ça te touche toi. Est-ce que tu as perdu un enfant? Enfin, est-ce que tu as fait une fausse couche ou un avortement? Alors c'est peut-être délicat de le dire sur le groupe. Je sais pas. Ok? Donc, ta fille est avec ta maman. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire. Elle insistait. Et c'était une fille. Bon, tu ne le savais pas, c'était peut-être trop tôt. Mais ta fille est avec ta maman. C'est cool. Elle est avec sa grand-mère. Ok. Ben. En tout cas, elle est avec ta maman. C'est génial. Pourquoi j'ai le chiffre 6 sur toi, Angélique? Est-ce qu'il y a 6 ans, tu as dû avorter? J'ai le chiffre 6 qui arrive. Donc maman est avec ta fille. Elles sont toutes les deux, c'est génial. Et alors le petit prince, il y a peut-être un truc avec ça, justement. Peut-être. C'est magnifique. Ouais, tu peux. Oh non, c'est génial. Et en fin de compte, oui, alors c'est quoi le 6? D'accord. Alors je ne sais pas, le 6. Tu mets de côté le 6, d'accord? Et ta maman s'occupe des malades qui arrivent en fin de vie. Tu vois, pour les. C'est comme si elle allait vers eux pour les soulager. C'est génial. C'est beau ce qu'elle fait, ta maman. Et elle me parle du petit prince. J'ai pas essayé d'avoir l'histoire du petit prince. Je la connais pas. Je la connais pas. Bisous, ma Steph. Ah, d'accord. Je t'en prie. Non, j'ai rien d'autre pour ta maman, Angélique. Ah, c'est génial. Alors, Steph. Tu mets de côté Angélique le 6 et vois pour le petit prince, d'accord? Ben oui. Hein. Steph, nous sommes. Steph, nous sommes, t'es là? Ben c'est super, Angélique. Elle s'occupe de ta fille maintenant, c'est génial. Alors, Steph, nous sommes. Alors voilà, Carmen. Ah, oh, j'avais une tante qui s'appelait Carmen aussi, tiens. Ta grand-mère. Grand-mère.
Elle chantait pas, non? Pardon, j'ai des rototos. Alors, est-ce que c'est le pancréas pour la grand-mère? Est-ce qu'elle est partie du pancréas ou de l'estomac? Ou en tout cas, système digestif, Steph. Est-ce que j'ai eu un rototo? Bisous, Manat. Steph, est-ce que Carmen est partie d'une maladie qui touche l'estomac ou le pancréas? Est-ce que j'ai eu un rototo? Je ferai Valérie Charron après. Alors, quand il y a un décalage, je ne vois pas tout. Vous voyez toujours à l'écran, en fait? Ouais, je suis là. Alors, je t'en prie, Angélique. Steph, réponds à Tata Chris, s'il te plaît. Là, j'ai Carmen qui me parle, qui m'a envoyé un rototo. Alors. Et elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Elle est dans la nature, mamie, là. D'accord. Tu étais née quand elle est partie ou pas, toi? Elle se montre à moi à marcher dans la nature, mamie Carmen. Alors. C'est bizarre parce que ce qu'elle me montre, c'est que quand elle est arrivée, il y avait quelqu'un qui était assis sur un banc et qui est venu la chercher avec un bouquet de fleurs. T'avais perdu ton papy avant? Au poumon, visiblement. D'accord. Je sais pas. Est-ce que c'était qu'au poumon ou ailleurs? Est-ce que j'ai eu un rototo? Ou il y a quelque chose que tu digères pas, peut-être toi? Et qu'elle me l'ait envoyé? Quand j'ai des rototos comme ça, c'est qu'il y a un truc qui passe pas. Alors peut-être que tu es en colère aussi, ou on t'a fait une crasse, ou tu as vécu une situation qui n'était pas agréable et que tu as du mal à digérer. Et auquel cas, quand on fait faire des rototos comme ça, c'est qu'il va falloir que tu évacues, toi, de ton côté. Tu vois? En tout cas, en soins, c'est comme ça que ça passe. La mamie, elle me montre que quand elle est arrivée de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était sur un banc, qui l'attendait avec un bouquet de fleurs. Donc pour ça que je te demandais si le papy était parti avant. Donc auquel cas il attendait son épouse. Et là, elle me dit qu'elle se montre à moi à marcher. Comme si elle était dans les bois, dans la nature. Elle prie beaucoup. Elle rejoint des groupes qui vont dans des chapelles pour. Alors de là-haut, hein, pas les chapelles. Ben non, donc 21 ans, tu étais assez âgée quand même. Ouais. Elle va avec d'autres personnes faire des prières pour des âmes qui sont en peine et qui vont arriver. Ouais. Comme s'ils se préparaient à voir arriver des âmes. Elle fait partie d'une. D'accord, elle accueille les nouvelles âmes qui arrivent. D'accord. Mais qui partent d'un traumatisme, tu sais. Accident ou. Mais pas tout seul. Par exemple, un avion qui s'écrase, hop, elle va les chercher. D'accord, c'est toi. Ok. Donc elle a une sacrée mission, mamie, hein. C'est beau, hein. Donc il faut que tu ailles te faire soigner peut-être, Steph, non? Que tu prennes ça sérieusement. Ou que fais attention, peut-être une allergie au gluten ou quelque chose comme ça. Alors ce que j'entends aussi, qu'il faut que tu arrives à dire ce que tu as sur la patate, ma chérie, pour ne pas tout garder sur toi. Parce que hop, ça te redescend sur le plexus solaire. Tu dis pas ce que tu ressens, tu dis pas ce que tu. Pas assez, en tout cas, a priori. Tu vois, tu rumines. Alors c'est peut-être ça aussi tes problèmes d'estomac, ma chérie. Hein? Ok? Mamie va bien. Elle a une grande, grande mission. Elle était très croyante, ta mamie. En tout cas, elle prie là. Hein? La vache. Elle prie beaucoup.
C'est tout ce que j'ai. Papy, il l'a pas accompagné. Là, c'est bizarre, c'est comme si elle a prié que papy n'avait pas spécialement besoin de ça. Ils continuent à vivre ensemble là-haut. Mais ils ont chacun leur mission, tu vois? Alors, Valérie Charron. Jocelyne, c'était ta grand-mère, c'est ça, Valérie? Charron, t'es toujours là, Valérie Charron? Alors, elle est où, Valérie Charron? Oups. Je colle, Anatole. Valérie Charron pour Jocelyne. Ah, passeuse d'âme, j'adore comment t'écris, passeuse d'âme. Alors, je m'occupe de toi, Valérie. Alors, j'adore, Steph, quand on dit passeuse d'âme, mais on ne donne pas aucune info. Alors, pour les sortir, Steph, tu les écris, tout ça. Quand on dit à quelqu'un, t'es passeur d'âme, il faut lui donner les infos, il faut dire comment faire. Ou en tout cas, envoyer vers quelqu'un qui pourra vous expliquer comment faire. D'accord? On pourra en parler la semaine prochaine si tu veux. D'accord? La femme de ton ami. D'accord? Femme de l'ami. Mais ça m'agace quand on dit passeur d'âme et qu'on n'explique pas. D'accord? Et t'entends pas parce que pour l'instant, il faut peut-être attendre un petit peu. Ah, bah d'accord. Et bien, ce sera une prochaine, Nicole. D'accord? Bisous. T'entends pas parce que peut-être que pour l'instant, tu es encore. T'es pas prête, mais ça va venir, faut pas que tu t'inquiètes. Par contre, si on te dit passeuse d'âme, il faut qu'on t'explique aussi. D'accord? On pourra en reparler. Je fais une vidéo, un direct la semaine prochaine, je crois. Le 20 sur la médiumnité, la spiritualité, et entre autres, il y aura le passeur d'âme. Ok? Alors, Jocelyne. Alors, elle me parle d'un. Mais. J'aime pas le terme d'entité, parce qu'entité, pour moi, c'est négatif. T'as des défunts. Alors. La femme de mon ami. Quand tu dis la femme de mon ami, c'est ton chéri ou pas, Valou? Valérie? Bah, les défunts viennent parce que t'es le phare dans la nuit, hein. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais entité, j'aime pas. Ça, enfin, attention, c'est moi. Hein. D'accord? Valou, Valérie Charron, are you here for me, please? L'ami, c'est un ami ami ou ami ami chéri chéri? Je t'en prie, Steph. Parce qu'elle me parle de changement. Alors, je ne sais pas pour qui ce changement. Jocelyne. Alors. Est-ce qu'il y a le Covid dedans, Valérie? Est-ce qu'elle était souffrante, enfin faible, fragile, et qu'en plus il y a le Covid qui est arrivé? D'accord, ton chéri. Elle me parle de changement. Vous allez déménager?
Alors. Je ferai Virginie après, si tu es toujours là. Claude. 19 septembre. Alors, Valou, hop là. Alors. Bah, faut que tu te protèges alors. Steph. C'est pas au programme. Je sais pas, elle me parle de déménagement, Jocelyne. Il y a une vente, c'est bizarre. C'est quoi ça? Ou peut-être que ça vous touche, quelqu'un qui vend, qui déménage. Alors, c'est qui David? Valérie, j'ai un prénom David qui arrive. Alors. C'est quoi? Elle me parle de vacances ratées. Alors peut-être par rapport à son décès, je ne sais pas. Ou écourté. J'ai du monde, mais je ne sais pas qui spécialement mystique. Alors, Valérie. Je te fais après Virginie mystique, d'accord? Tu me redonneras les dates. Enfin, le prénom de ta tata. Elle me parle de vacances écourtées ou ratées. Il y a eu quelque chose comme si vous deviez aller quelque part et vous n'y êtes pas allé. Je ne sais pas pourquoi. Et elle me parle de David. Est-ce que tu as ça? Alors Virginie Claude, c'est qui? Tu connais pas? Tu mets ça de côté, Valérie. Et c'est quoi ces vacances? T'as raté tes vacances cette année ou l'année dernière? Il y a eu un truc par rapport à tes vacances ou t'es pas parti en vacances? Il y a un truc par rapport aux vacances. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de fumée autour de Jocelyne, moi aussi. C'est quoi ces fumées? Elle a été crématisée? Valérie? Alors Virginie. Oui, tu peux me dire qui c'est Virginie? Claude, c'est ton papa? Je suis sur deux en même temps là. Et je voudrais que Valérie me réponde par rapport à la fumée. Oh, c'est gentil. Mystique. Elle n'a pas été crématisée, je ne sais pas. Elle me parle de David et puis elle me parle de vacances ratées. C'est quoi ça? Jocelyne. Il faut que tu mettes de côté ces informations à puce. Hein. David fumé. Vacances écourtées. Ou vacances ratées. Alors. Et là, Jocelyne, elle m'envoie un chien maintenant. Qu'est-ce qu'elle avait à la tête? Tu vois, tu peux me dire si elle avait quelque chose à la tête, sa maman, Jocelyne? Parce que c'est comme si je disais n'importe quoi, tu vois? Alors, il y a peut-être aussi que je fatigue. Mais elle m'envoie plein d'infos, mais tu sais, c'est comme si c'était du morse qu'elle m'envoyait.
C'est comme si elle m'envoie les, comment dirais-je, les ces derniers instants. D'accord. C'était son chien alors, sans doute, son père, ton père, ok Virginie, papa. Et maintenant, elle parle de Jura. Voilà, elle me donne plein d'infos. Rien que tu saches. Alors, je passe à autre chose que pour l'instant, je n'ai pas la bonne connexion sur Jocelyne. C'est comme si elle. Alors, soit c'est moi qui capte mal aussi, hein, sans doute. Hein, mais j'avais plein d'infos qui étaient morcelées. Elle m'envoie la crémière, tu sais, celle qui fait des yaourts là, de la Danette là, c'est le, la, ouais, la crémière qui met du, c'est bizarre. Je passe à autre chose, Valérie, parce que j'ai pas une bonne connexion, d'accord? J'ai mon câble internet du coronal qui va pas, donc ça sert à rien que j'insiste parce que je ne comprends pas tout ce que je reçois, d'accord? Désolée de te décevoir. Alors Virginie, Claude, papa. Papa fumait beaucoup, Virginie? Hein? Est-ce qu'il fumait beaucoup, papa? Que j'ai ça, moi j'ai de la clope. Ouais, mais ça me dit rien, Normandie. Virginie? Ben non. Bah si, parce que j'ai pas été. Non, je capte pas là. Tu vois, c'est comme si j'entendais des trucs, mais je sais pas. Mais peut-être que c'est parce que peut-être pas le truc ce soir, hein. D'accord? Alors, donc, Virginie, Claude, est-ce qu'il fumait beaucoup? Bisous. Bisous, Steph. Alors, donc, je voudrais avoir Virginie. Non, je ne t'ai pas demandé, Nat. Virginie, est-ce que ton papa fumait beaucoup? Parce que j'ai eu de la clope. Je commence à fatiguer aussi, hein, je vous le dis. D'ailleurs, je suis moins souriante. Hein. Allez, il faut que je me reprenne. Mais je vais pas tarder quand même à arrêter. Virginie, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Alors, il y a Gigi Mystique qui m'envoie des angelots. Plein d'angelots. Plein, plein, plein. Alors. Oui, d'accord. Il est parti de ça, c'est ça? Parce qu'il continue à fumer, hein, là-haut, hein. D'accord. Enfin, virtuellement, bien sûr, hein. Mais il a encore ce truc-là. Alors. Il se croyait invincible. Il s'est fait rattraper. Mystique, il faut que tu continues ton boulot là. Il y a un truc que t'as.
C'est comme si tu avais lâché prise à un moment donné. Je suis obligée de jouer sur les deux parce que j'ai les deux en même temps là. J'ai Gigi et Claude. Bisous Steph. T'as arrêté un truc, Mystique, alors que t'étais bien lancée. Ouais, des angelots. Je sais pas pourquoi elle m'envoie ça. Et c'est comme si tu avais arrêté quelque chose et qu'il fallait pas arrêter. Virginie, ton papa est parti d'un cancer des poumons. Parce que ça l'a pas arrêté. Il se croyait invincible, mais il n'a pas arrêté, il continue là-haut. J'ai beaucoup de bricolage pour papa. Il y a toujours la clope au bec. Alors. Mais il continue, hein. Il peut pas s'en passer encore pour l'instant. Bon, après, ça viendra petit à petit, hein. Mais là, il a encore ses réflexes, on va dire. Ben alors, qu'est-ce que t'attends, Mystique? D'arrêter là, ça va pas du tout. C'est comme si tu étais bien partie, que tu t'es arrêtée, ma nénette. Ça va pas. Gigi, elle est pas contente là. Elle te booste. Elle n'est pas contente, façon de parler. Parce que là-haut, ils sont tous gentils, mais voilà, elle voudrait que tu reprennes le taureau par les cornes. D'accord. Ben, faut que tu t'y mettes fin septembre. On n'est pas encore fin septembre. Alors, Claude. Virginie, papa me dit de te dire, je vais bien, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de regret à avoir. C'est cool, ça, Mystique. Pourquoi des regrets? Parce que vous vous êtes dit peut-être qu'il aurait pu continuer à faire des choses sur Terre, mais sa mission, c'était de partir de toute façon, hein. Il serait peut-être pas parti d'un cancer des poumons, mais il serait parti quand même. Eh ben, faut que tu t'enlèves les doutes, ma chérie. Pas bien. Claude, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta fille? Écoute, j'entends, il faut que tu t'occupes de ta mère, Virginie. Ta maman, elle est toujours là? Bon, bien, Mystique. Et tu vois, Gigi, elle voit tout, hein. Continue comme ça, Mystique. Virginie, papa, j'entends papa qui dit, il faut que tu t'occupes de ta mère. Pourquoi? Non, c'est par rapport à ton taf, Mystique. Virginie, je fatigue vraiment là. J'en prendrai pas d'autres, hein, d'accord? Que je suis crounie. Ça fait 2 h 30. Donc désolée les personnes que je n'ai pas eues, enfin, sur lesquelles je ne me suis pas penchée. Ça sera pour d'autres. De toute façon, il y en aura d'autres, hein, des soirées, il ne faut pas vous inquiéter. Peut-être que la semaine prochaine, avec le live sur la spiritualité, peut-être que je ferai des petites connexions, je verrai. Peut-être, ou pas, je ne sais pas. C'est le feeling. Bon, vous me répondez ou pas, hein? Ou c'est mon ordinateur qui sèche? Je commence réellement à piquer des yeux. Bon, très bien, Mystique. Bon, bah écoute, Virginie, j'ai pas de message. Tu me donneras ça en privé, en MP, d'accord? Puis je vais vous laisser parce que je suis vraiment fatiguée là. J'ai un bon coup de barre. Alors, est-ce que c'est à cause de, comment dirais-je, du coup de Jocelyne, je sais pas. Parce que j'ai peiné à avoir d'informations, je sais pas. J'ai un gros coup de barre. Donc, désolée si je vous déçois. Ah.
Oui, il faut que tu t'occupes de ta mère, Virginie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, ton papa. Il faut que tu t'occupes de ta maman. Donc je ne sais pas pourquoi. Il me dit qu'il continue à fumer et à bricoler. Enfin, en tout cas, il fait du bricolage là-haut. Et il faut que tu t'occupes de ta maman. Ouais, je suis désolée hein, de pas passer tout le monde. Mais voilà. Ouais, Baval aussi, pareil. Nat, pareil. Delphine, pareil. J'en ai loupé plein, mais je suis fatiguée. D'accord? Ouais, ça fait 2h37 hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. J'ai mon chakra coronal qui est. Et troisième œil, pareil. Je vais vous faire des gros gros bisous. Dis-moi tu, GG, là. Ben écoute, on ne peut pas tout avoir, GG. D'accord? C'était peut-être pas le moment à toi non plus. Ok? Non, je suis pas magique, c'est eux là-haut qui sont super. Je vous fais des gros gros bisous et passez une bonne nuit pour bien dormir. Vous demandez à là-haut en demandant, en leur disant merci pour la nuit superbe que je vais, que j'ai passée, que j'ai passée. Ou merci pour cette nuit. Voilà, tout simplement. D'accord? Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis bah, bientôt sur le groupe, déjà la semaine prochaine. Si vous voulez venir, on parle ensemble de spiritualité. Donc ça pourrait être sympa. D'accord? Gros gros bisous tout le monde. Bisous. Et Marie-Christine, je devais te prendre, je t'ai pas pris. Je suis désolée. Pas bien, la dame. Pas bien. Bisous, bisous.